Yo tout le monde, c'est Melarsat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude sur ce monde. On se retrouve pour l'émission du jour du lundi 23 août 2021. Bien sûr, on est dans une semaine décisive pour finir le quelques petits trucs dans mes objectifs. Là, regardez, mon objectif déjà c'est de finir ça. Donc il me faut que je fasse encore 54 games. Donc honnêtement, cette semaine c'est fini, c'est plié, c'est ciao. Et en brume, il faut que j'en tue encore 500 46. Donc en vrai, c'est plutôt sympathique. Hein. Et après, les deux là, bon, je les ferai un autre fois quoi. Là, c'est un peu long, tu vois. Mais je suis quand même à 6100 quasiment en survivant. Donc ça, c'est ouf. Et en truc de construction, je suis à 250 000 bientôt. Donc je suis à la moitié quoi. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Hein. Et je vois plusieurs, je pense que je vais en faire cette semaine. Je pense que je vais me taper des délires, tu sais. Je vais lancer en mode vas-y, chill, tu vois. En mode chill, je vais faire Picardie, hop, je vais faire des joueurs plusieurs tous les matins, tu vois. Donc sur route, j'ai toujours pas fait, hein, les gars, d'ailleurs. Donc ceux qui veulent en faire un aujourd'hui ou quoi, dans la semaine, je suis chaud. Je peux en faire un avec vous, si vous voulez. Donc bon, on commence par les petites missions du jour. Donc on commence par Fontainebois, les potes. Alors Fontainebois, c'est simple, il y a une mission e-bug dès le début, en puissance 9, récupérer les données. Y'a quoi maintenant? Bon, moi, vous voyez que c'est le ticket rayon X, évidemment. Mais pour ceux qui ont la version fondateur standard, enfin du début, vous avez toujours les V-Bucks, évidemment. Évidemment, vous n'êtes pas perdu, hein, n'est-ce pas? Donc là, il y a un petit fusil d'assaut à tube. Hein. Mais pourquoi il est à tube, hein? Je vais te mettre un tube à hisser dans le cul, à toi. Pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que je dis? Il est con, quoi? Qu'est-ce que je dis là? Mais allô? Je sais pas ce qui m'arrive là. Et franchement, il faut que j'arrête d'être le mec méchant tout le temps comme ça là. Et encore moins gentil, il faut que j'arrête. Hein. Franchement, bon allez, y a quoi comme mission à mort là? Villeplanche, y'a vraiment rien à part le fusil d'assaut à tuer. Hein. Franchement, c'est incroyable quoi. Il faut que je vous montre aussi les expéditions que j'ai fait hier. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Avec un pourcentage moins élevé de réussite. Pourquoi pas une petite défaite, une petite échec? Ça peut être sympathique. Il y a un petit templier en épique aussi, ici. Plutôt sympathique. Vous avez vu qu'il y avait un petit x4 gouttes de pluie. Bon, à Marne, c'est pas fifou. Vu que ça a donné vraiment pas beaucoup en termes de gouttes de pluie. Mais ça reste intéressant quand même. Je sais pas pourquoi je fais cette voix, mais elle est intéressante. Hein. Franchement, c'est une voix de type Calicatitelbrimdif. Hein. Voilà, je viens de faire un medley incroyable. Donc là, il y a des décuplateurs rares en boss Marne, si vous voulez. C'est vraiment insane. Hein. Ah, mais en vrai, je peux faire tellement de voix avec ma voix, c'est insane. Enfin bref, on passe à Picardie directement. Donc Picardie, il n'y a pas grand chose non plus, je crois. En vrai, celle-là elle est intéressante. Piège anti-aérien plus x2x2 en DQ légendaire est rare. Rare, mais c'est rare d'avoir ça à Picardie. Franchement, c'est incroyable. Merci pour cette blague. Allez, ciao. Et c'est ciao. Hein. Franchement, c'est bon. Hein. Je rigole. Oh putain, heureusement que personne regarde mes vidéos. Je te jure, frère. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Franchement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un défenseur légendaire, couteau, bon, mêlé, hein, vous avez capté, avec un petit fouet 3 DQ épique, avec un petit DQ blader légendaire, plutôt intéressant. Là, il y a un petit fouet 4, fragment de tempête, avec 45 voudrailles du cyclone. Pourquoi je dis il faut voudrailles? C'est monsieur tempête d'éléments. Donc, c'est plutôt insane, hein. Là, il y a un petit monsieur rouge à débloquer aussi, également. Donc, c'est un outil plutôt intéressant. Non, je rigole, j'ai jamais joué. Donc là, petit x4, X-Pad survivant, avec 330 le Atelier Recuplateur, que va dire ce mot? Je ne suis pas français, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, il y a un petit x3 DQ légendaire. Ah oui. Il y a un petit dégueu avec, franchement, avec 330 récupérations. Ah, c'est quoi cette voix? Elle est incroyable. Oh, là, on arrive directement sur du x4 fois dans la bouteille. Avec 245 000 XP de CV, hein. Oh, il y a un survivant légendaire, pardon, j'ai spoil. Là, on était sur du x4 récupérateur avec 330. Non, 297 récupérateurs. Oh, mais elle est incroyable cette voix. Bon, en vrai, il y a un survivant légendaire, c'est plutôt intéressant.
Je pense que c'est une mission plutôt intéressante à faire également à Picardie aujourd'hui. Donc là, il y a un petit top 3 intéressant à faire. Fusil d'assaut, il y a un fusil à pompe, pardon, un tube encore. Mais putain, ils aiment bien les tubes à air, ces petits cons. Hein. Bon, on arrive sur les 144 joueurs. Donc là, la première, on livrait la bombe, elle est déjà éclatée, quoi. X4 XP de schéma, s'il te plaît, une tarasse, ça sert à quoi? Avec 330 000, on va arrondir, hein. 330 000 XP de schéma, mais bon, mais pourquoi tu me donnes ça? Je ne sais strictement rien. Et encore un x4 XP de schéma ici. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Avec 90 faux dans la bouteille, ça c'est plutôt intéressant par contre. Après, on arrive sur la dernière qui est en 44 joueurs. C'est encore une fois une x4 XP de schéma, mais je vais t'enculer de cul. Avec 276 décupérateurs épiques. On répare le refuge, donc en vrai. Pardon. Alors, on arrive là sur du franc 64 joueurs. Alors, qu'est-ce qui va se trouver ici? Franchement, là il y a du x4 XP de héros. Schéma, bah, schéma, tu vois là, j'ai. Non, héros, mais putain, je suis con! Avec 60 décuplateurs épiques. Et franchement, c'est épique d'avoir ça aujourd'hui là. Franchement, 300 décuplateurs, c'est incroyable. Non, je rigole, c'est habituel. Donc là, c'est chevaucher la foudre. Franchement, une mission comme ça pour chevaucher la foudre, c'est pas très intéressant. On va pas se mentir, que ça pue la merde. Ça pue la merde. Hein. Là, il y a du x5, 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 x5 décuplage. Franchement, c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont besoin de décuplateurs, je m'en dis. Livrer la bombe avec avec un livrer la bombe, c'est la mission que j'aime le moins, mais en plus il y a du XP de héros avec un hein, 276 000 d'XP de héros. Franchement, c'est incroyable. Après, on arrive sur du x5 récupérateur en répare refuge. Donc là, c'est du ronge métal, ronge mur, flaque de sud. Franchement, il y a toutes les malus possibles qui est chiant. Non, je rigole, en vrai, ça va. Donc x5 récupérateur avec 38 fragments de tempête. Donc là, c'est lourd quand même. Et après, on arrive sur la dernière. x5 XP de héros avec 270 gouttes de pluie. C'est incroyable, mec. Ouais. Donc là, il y a un petit top 3 qui se met en place sur les missions les plus intéressantes d'aujourd'hui. Bon, je vais vous le dire après, hein, mais je pense que voilà. Donc là, il y a un petit récupérateur. x4, hein, évidemment, avec du DQ épique. 276, c'est du 140, vous connaissez les bails. Hein. Oh là, il y a des missions intéressantes. Là, il y a du détruire les camps, éliminer collecter, se réappro, récupérer les données, chevaucher la foudre. Franchement, il y a les meilleures missions du jeu disponibles en 140 aventures aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt intéressant. Là, on arrive sur du x4 foudre en bouteille avec 369 récupérateurs. Aïe, hein. Ah putain de merde, c'est incroyable cette mission. Là, on arrive encore une fois sur du x4 XP de survivant. Ça me casse les couilles, ça ne sert à rien, ok? Avec 205 décuplateurs légendaires. Franchement, c'est de la légende, ça, maintenant. Là, on arrive sur du XP de survivant en balle, en balle, en bombe, en bombe, en bombe. Tu veux quoi? Tu veux améliorer quoi, là, avec ça? Survivant, vas-y, tiens, je te fais la mission. Hop, x4 directement, avec 245 000 XP de survivant. Eh la tête de WAM, je vais péter un câble. Encore un x4 XP de survivant. Eh frère, tu me casses les couilles avec 235 décuplateurs épiques. Oh, j'espère que personne va voir cette vidéo. Mais mec, je kiffe, mec, faire des voix, je kiffe. Je crois que c'est ma passion. Enfin bref, x4 XP de héros avec 191 XP de survivant. Ah, c'est incroyable. Donc vas-y, le top 3 des missions intéressantes. Franchement, il y a la, bah, il y a la playbook, hein, évidemment. Il y a du coup le survivant, évidemment. Il y a peut-être, vas-y, peut-être le défenseur ou le monsieur rouge, un des deux, pour avoir des motifs d'armes ou manuel d'entraînement. Voilà, un petit top 3, tu vois. Donc là, on va aller directement dans les expéditions, voir si j'ai réussi. Donc premier, avec 70% de chances de réussite, ça part en échec, évidemment. Le deuxième, 66% de réussite, échec également. Et 60 réussis, oh quand même un réussi, bordel de merde. Ouais, donc vous voyez que si vous avez du 60% de réussite, bon, voilà, c'est risqué quoi. Essayez plutôt d'être dans les 75-80, tu vois. Bon, on va essayer, on va réussir. En vrai, on va réussir vu que moi je suis quelqu'un de con. Voilà. D'où Farrell, elle est pas dans ma compo là, je vais péter un câble. Donc, moi je suis quelqu'un de con. Donc, je vais retenter. Donc là, 62%, encore une fois, ça sert à rien. Donc, je vais agrandir la place de mes trucs. Hop, 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 j'ai envie d'aller aux toilettes.
Vas-y, tu sais quoi, on va tester un 79 pour... Non, attends, on va faire un petit 80. Un petit 80, on va tester, on va mettre lui. Hop, un petit 80, on va tester un petit 81, ok? On va voir si je réussis demain. Après, là, il y a les provisions. Provision, 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 provision. Il y a que des trucs de provision. Vas-y, on va faire un truc de provision. On va faire avec un petit soldat. Allez, mon gars, sûr, hop. Après, on met qui? On met... Oh putain, on va mettre Razor et on va mettre lui, hop, 93% de réussite, ça c'est réussi ça. Allez hop, ça dégage. Donne-moi des confitures là. Il y avait écrit pot de confiture, je sais pas quoi, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais. Qu'est-ce que tu me veux le jeu? Tu veux me baiser le téton quoi? Qu'est-ce que tu me fais là? Bon, vas-y, j'en fais que deux aujourd'hui parce que voilà, les deux échecs d'aujourd'hui, ça m'a fait un peu. Ça m'a fait mal au cœur là. Donc vas-y, y'a quoi comme lama aujourd'hui? Les lamas à personne, ces derniers jours, y'a que ça. Hein. Les lamas à personne. N'oubliez pas que depuis hier, il y a Marteau-Pillon. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Voilà. Et sinon, je vous dis, n'hésitez pas à liker la petite vidéo, à mettre votre petit commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo, évidemment, pour qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés. C'est de plus en plus, en fait. Et sinon, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Discord, le serveur Discord, très important. Là, ça fait quelques mois, il est inactif, il n'y a plus personne. S'il te plaît, je veux des jours, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et sinon, il y a le petit snap pour les plus intimes. Je suis chaud à parler avec vous, il n'y a pas de souci, vous montrer des photos de ma bite. Non, je rigole. Non, ça c'est faux par contre. Eh, oh, c'est faux, hein, tu fermes ta gueule. Bon, voilà. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo d'émission du jour. Et d'ici... Bah, pour un live tout à l'heure, comme d'habitude. Tu connais les bails? Ciao!